Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 158e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Nous sommes devant l'entrée d'une grotte où se cache un sanctuaire au fond, après avoir descendu le niveau d'eau. On va voir ça, ah, il va falloir faire péter tout ça dans quelques instants. Alors, hop. Donc on va... Va disparaître lui. Alors, voyons voir. Alors, il y a de la lumière et il y a des miroirs, c'est logique. Bah, disons. Oh, la liste d'items, putain! Ah, voilà, ça, je veux savoir. Je pense qu'à mon avis, il va falloir éclairer une surface, mais il faut juste regarder laquelle. Juste visiter un petit peu la, les environs. Miroir x 3, tiens non. On se demande bien pourquoi, hein. Sauf qu'il y a déjà des miroirs. Sauf qu'il faut voir quoi éclairer. Pour l'instant. Ah, je crois savoir quoi. Plutôt dans quelle direction. Alors, parce que on voit absolument rien là-dedans. Juste observer un petit peu. Ah, c'est bizarre parce que le sanctuaire, il est détectable. Ça veut dire qu'il est en dehors... Ah. Oh. On veut savoir ce que tu fous là. Casque de sonium, énergie sonao. Prolonge la durée d'utilisation des artefacts sonao à jauge d'énergie. Oh! C'est pratique cet item. Ah. Donc on va amener la lumière ici. Oh.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi est-ce que ça a juste, ça a juste ouvert les volets? T'es sérieux? Utiliser la lumière intérieure pour avoir de la lumière à l'extérieur, c'est une logique incroyable! Oh! Il y a un escalier! On n'arrête pas de progrès. D'accord, bah oui, parce que ça paraissait bizarre sinon. On va faire ça pour rien. Oh! Ah, il est bien, 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 ok. Allez. Parti. Sanctuaire de bénédiction, du coup. Je pense. Je pense, mais on a toujours cette crainte, hein, à chaque fois. Effectivement. Et c'est un... Ça va, les craintes sont dissipées, c'est un sanctuaire de bénédiction. Avec le coffre qu'on va ouvrir dans quelques instants qui contient un fragment d'étoile. Bon, ce sera attendu à mieux, évidemment. Mais c'est toujours ça, pas de prix. Et le sanctuaire est bien sûr validé. L'allure bienfaisante est remportée avec... Paf! Ça nous amène à 17, plus que 3 pour obtenir un nouveau réceptacle de cœur, sachant qu'on en a d'autres à aller récupérer. Hein. On en a 4 à aller prendre d'ailleurs. Et on aura toute notre jauge de cœur si on obtient les 3 prochains. Donc, ça s'approche, hein. Alors, comme vous voyez, il y a des sanctuaires ici. Il y a des sanctuaires là également. Alors, on va aller ici. J'ai chopé 2 zones non visitées à cet endroit. Ah, tu t'amuses bien. C'est Kanji qui faisait ça. Ouais. Alors, marque verte et la marque jaune en face. On va commencer par la marque jaune. Du plateau de Lumetake.
Ouais. Ah. Oh, peur et cristal. On tire l'Aka Kuda Zito. Il va aller le chercher, je sais pas où il est. Et offrande de sanctuaire, machin, ouais. Alors. Quelque chose de nous qui va falloir faire une barque, une seconde bureau. Ah, le pied là. Voilà. C'est où? Alors... Mais non, c'est pas là... C'est pas à côté, hein. Laisse. What? À la pitié. Ah. Ah. Mais de rien. J'aime bien venir en aide. Mille fois. Ah non. T'as pas le temps de ramener ses fois, t'es fait barrer au courant. Il m'a rien donné, hein. Il s'est cassé comme un voleur, le gars. Rien à foutre. Il s'est dit, tant pis, hein. Bon, évidemment, on va prendre le véhicule qui est là. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, il y a des virevoltants, hein. Alors. Bon. Je sais pas pourquoi on peut pas le décoller. Oh.
je vais pas refaire la même poterie que la dernière fois à partir sans le cristal. Putain. Décidément. Ah, mais j'y ai pensé cette fois-ci. Ça m'a fait tilt. Donc voilà. Bah, j'aurais été puni moi-même. Ah, par contre, pour aller dans l'eau. Sauf que si c'est pas profond. Alors... Alors j'essaie de... Alors si jamais j'ai pied dans le... Bon, là. Oh non, non, non. Voilà. Gagné. Ah, bah, rien. Je vais espérer que ce soit une bénédiction. C'est chiant ce que je vais me faire. Oui, c'est une bénédiction. Et donc on va voilà, simplement le coffre. C'est pas donc le sonium surpuissant. On va prendre ça. Par contre, Ganondorf, seule l'épée de légende sera utilisée. Ça me paraît logique. Allez, ce sanctuaire-là est terminé. Encore deux lueurs bienfaisantes pour avoir un réceptacle de cœur supplémentaire. Et ce sera le dernier qu'on pourra obtenir. On aura restitué notre jauge entièrement. Et c'est bien, ce sera bien mérité, franchement. Ah bah quand même. Alors, le prochain maintenant, bah on va prendre le vert cette fois-ci. Après, les lueurs bienfaisantes qui resteront, ce sera pour des restats d'endurance. Du coup. Thank you.
on va dire 2 ans. Le sanctuaire, je le détecte pas. Peut-être descendre un peu plus bas. Soit on le détecte pas, soit il y a autre chose. Des hauteurs de ta feuille. Ah, c'est un hydroc. Ah, quoi que, si. Oui, parce que un gros rocher en plein milieu comme ça, un petit peu étrange, quand même. Hein. Voilà. Ça, on s'en fout. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Alors, apparemment, il est dans les environs, le sanctuaire. Et une petite alcôve en bas. Je la vois sur la carte. Attends. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est l'emblème des Yigas, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Mmh.
Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? À mon avis, il faut être déguisé comme eux. Ah, mais cet endroit, c'est la cabane, oui, la fameuse. Elle a été investie par quoi? Oh putain. Oh non. Je vous ai réveillé, les potes. Ah. Je vais prendre mon épée de légende. Ah bah alors. Masque Yiga. Ah ouais.
On aura trouvé ça au moins. On va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo et la prochaine fois, on ira trouver, bah, je pense, les deux autres parties qui me manquent et je pense que c'est comme ça qu'on infiltrera l'endroit où on voulait accéder pour aller avoir notre sanctuaire. Donc ça fait encore des choses à faire. Merci beaucoup de m'avoir.